Bonjour à tous, c'est Denis de ADBO. Je suis super content de vous retrouver pour ce nouveau live où on va parler essentiellement de SketchUp et le bois. Voilà, alors dans un premier temps, on va voir tout ce qui est possible avec un peu les outils base de SketchUp. Puis dans ce second temps, on va voir comment on utilise VMSUP. VMSUP qui va permettre de gagner du temps et qui est vendu, c'est un jeu d'extension qui est vendu, enfin qui est déjà toute une partie gratuite et une version payante qui est vendue sur notre site. Voilà, donc comme d'hab, un max de pub et un max de délire. Salut Fishman, comment tu vas? Bonjour à toi. Il y a le son? Tout le monde a le son? Genre, j'espère que c'est bon. On va dire que oui. Salut Alain. Salut Yves. Ouais, je pense qu'elles sont là. Allez, go. Dites-le dans les commentaires s'il n'y a pas le son. On va switcher sur mon écran. Bingo, c'est parti. 1, 2, 3. Ah, j'adore ces vues infinies comme ça. Ça fait un peu Inception. Allez, c'est parti. On est sur SketchUp 2020. On a toujours notre petit personnage. Bonjour Yves et bonjour Yves. Bonjour Yves. C'est parti. Zou. Alors, ce que je propose au départ, c'est de dessiner ce qu'a été mon exercice de CAP il y a 20 ans quand j'ai eu mon CAP menuiserie. Après, à savoir qu'on avait toutes les machines de régler, donc c'était hyper facile de l'avoir. Il suffisait de prendre les bouts de bois et les mettre dedans. Mais voilà. Allez, salut Stéphane, salut Turpin, salut El Meki Sabata. Allez, go. Bonjour de la Réunion. Ouais, cool. Bon, on a bien envie de venir te voir, mais là, on est bloqué. Allez, je fais un clic, un clic. Alors déjà, je vais choisir, pour être menuisier, on va commencer par régler les unités. On va aller dans Fenêtre Info sur le modèle. Et ici, dans les unités, on va choisir une longueur en millimètres avec un chiffre après la virgule. Moi, je désactive aussi l'ancrage de la longueur. C'est pour éviter de s'accrocher à des points que je n'aurais pas envie. Ensuite, je vais faire un clic. Je vais prendre l'outil rectangle en appuyant sur la touche R. Je vais faire un clic. Je vais faire 45, point virgule 45, entrée. Et comme ça, j'ai fait un petit montant de 45 par 45. Mon tabouret, on va dire que mon tabouret, il est de hauteur de 48 cm. Je fais un clic. Je relâche. Je vais vers le haut. 48 cm, entrée, bingo. J'ai fait mon premier montant. Barre d'espace, triple clic, j'appuie sur G et là j'appuie sur montant, j'appuie sur entrée pour faire mon premier correspondant, mon premier pied de table. J'appuie sur M, j'appuie sur Alt ou Ctrl sur PC. Là je détermine la largeur de mon tabouret. On va lui donner une largeur de 300 mm entrée. Ici, comme vous l'avez compris, là mes axes ils n'ont pas été inversés, donc ma pièce n'est pas symétrique. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire tourner d'un quart de tour ma pièce. Donc là, je vais faire un clic comme ça. Ensuite, je vais sélectionner, ou pas d'ailleurs, non, je vais juste dessiner mes traverses ici. Alors juste, je vais continuer à dire bonjour un peu à tout le monde. Le son est OK, hello, pas de def, la nana. Ouais, c'est les hippies du Colorado. Je ne sais pas si ça existe vraiment, les hippies au Colorado. Là-bas, c'est plutôt un univers de cowboy, de lonesome cowboy. Mais bon, c'est à Boulder, c'est... On n'a pas trop d'infos sur elle. Je ne sais même pas qui c'est vraiment pour une fois. Là, je ne suis pas trop renseigné. Tu as vraiment eu ton diplôme de menuisier? Ah, putain. Alors, il y a VMS qui me demande si j'ai vraiment eu mon diplôme de menuisier. Et là, en fait, il fallait que j'aille le chercher. Mais comme il m'a monopolisé, je n'ai pas eu le temps d'aller le chercher. Allez, ensuite, ici, je vais faire un clic. Là, je vais faire une traverse. Donc, je vais faire 25,60. C'est vraiment nul. Ça, c'est le piège de SketchUp. On se fait toujours avoir par ces trucs-là. Donc là, j'appuie sur la lettre Q pour faire une rotation. Et je déplace mon élément. Ensuite, je vais faire pousser. Et je vais venir sélectionner le point qui est ici. Barre d'espace, triple clic. J'appuie sur G. Là, ça va être ma traverse. Donc, pour le coup, ma traverse haute.
Elle est un peu haute, ma traverse haute. Donc, ce que je vais faire, barre d'espace, double clic ici, et je vais descendre de 20 mm. Ensuite, je redescends, je prends mon outil déplacé, je reviens là. Je vais venir descendre ici à une hauteur à peu près. Je vais faire ça vraiment à l'esthétique. Allez, 300, c'est parfait. Ici, je fais clic droit, rendre unique. N'est-ce pas? Rendre unique. Je fais un clic ici, pouf, et je pousse de 20 mm. Alors, pourquoi je suis menuisier et pourquoi SketchUp? En fait, je pense que c'est intimement lié. C'est parce qu'en fait, tous les outils qu'on va utiliser à l'intérieur de SketchUp, ça ressemble vachement à la menuiserie. Je fais une petite digression, par exemple, j'ai eu un BP en menuiserie. Et un BP en menuisierie, là, l'exercice que j'avais eu, c'était un arêtier. Donc, un arêtier, c'est quand on a un bois avec une section carrée, alors qu'en fait, on n'est pas sur un carré. Donc, voilà, par exemple, là, j'ai un bois carré avec une section qui n'est pas carrée. Et le problème, c'est que si vous faites une section carrée, et ben ici, votre section, là, ne sera pas carrée. Mais grâce à SketchUp, ici, vous pouvez faire votre arêtier de manière hyper facile, puisqu'il vous suffit de suivre la ligne rose. Et ça, pour n'importe quel menuisier qui se respecte, il sait que ça prend un temps, que c'est super dur et super long de trouver le bon arêtier. Alors là, du coup, je ne sais pas si je suis bon, je vais faire des bêtises encore. Oh là là, mais c'est vraiment la fête à la boulette, ces tutos. Du coup, voilà. Mais je ne suis pas du tout à 90, là. Bon, pour tracer l'arêtier, donc le premier, là, je suis bon. Je vais le faire à l'ancienne avec mon petit rapporteur. Là, je viens ici, un clic là. Là, je me mets bien à 90. Là, je viens me mettre ici. Je fais un clic ici, un clic ici. Là, je suis bien à 90. Ça y est, j'ai fait de la merde. Là, je me mets bien ici. J'appuie sur la touche Shift. Je fais un clic ici, un clic ici. Mon but étant de déterminer ma section. Et donc, ma section, elle va passer par tous ces points-là. Oups, oups, oups. Donc, par ces deux points-là. Et là, normalement, si je fais comme ça, derrière, je fais comme ça. Ici, j'aurai ma section d'arêtier. Patapouf. Et là, je suis tout content. Je vais pouvoir prendre les angles pour après les régler sur ma dégauchisseuse. Et on voit que je ne suis pas à 90 degrés. J'ai un petit pouillème qui me fait bien chier. Voilà. Et donc, voilà, SketchUp, c'est vraiment top pour les menuisiers parce qu'on peut vraiment tout faire. Donc là, je montre un peu la base. Donc, j'ai ici fait un montant, puis deux traverses, une traverse haute, une traverse basse. On peut d'ailleurs voir tout ça dans mon modèle. Alors, on a l'aura en plus. Moi, j'aime bien garder l'aura parce que ça permet de savoir si on s'est trompé complètement d'échelle ou pas. Voilà. Bonjour tout le monde. C'est bon, un pub qui modélise. Bonjour, Wazafab. Et salut, Steph Mallet. Lulu de la Montagne, prof de menuiserie dans le chat. Eh ouais. Et alors, il y en a plusieurs parce que VMSUP est aussi prof de menuiserie. Donc ici, ensuite, ce que je peux faire, c'est prendre par exemple cet élément-là. J'appuie sur la lettre Q pour faire une rotation. Là, je maintiens Shift enfoncé. Là, je fais un clic. Du coup, je suis sûr d'être à mon centre d'élément et je vais faire un clic comme ça. Ici, comme on peut voir, je préférais avoir... Bon, on va régler l'orientation de mes éléments après. Ici, je vais cliquer sur le point milieu et je vais faire une copie comme ça. Et là, ces éléments-là, je les prends là et je les fais ici de cette manière. Youpi, lala. Alors ensuite, là, ce qui va compter, donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit arrondi. C'est juste pour le fun ici, c'est juste pour marquer qui est dans le bon sens. Lui, il est dans le bon sens. Lui, il est dans le bon sens. Lui, il n'est pas dans le bon sens. Donc là, il faut que je fasse une rotation. Il faut qu'il soit dans le sens contraire de ça. Donc, il faut que l'axe vert aille là-bas. Donc, je fais clic droit, retourner le long de l'axe vert. C'est ça qui est d'un peu long. C'est qu'au départ, on se perd un peu, on se prend un peu les pieds dans les angles des meubles, etc. Tandis que là, ça va... Tandis qu'en mettant un petit arrondi et en double-cliquant dedans, on arrive à voir les sous-axes. Alors, sachez que si vous êtes un fanat des axes, quelque part dans fenêtre, préférences sur PC ou SketchUp préférences sur Mac, vous avez un endroit où vous pouvez afficher le mec qui prend 40 minutes parce qu'il est complètement perdu, où vous pouvez afficher les sous-repères dans les composants. Alors, c'était pas là, c'était pas là. Je pensais que c'était là, c'est con.
Application, c'est pas ça. Accessibilité. Alors, je crois, bon, ils ont enlevé cette option. Si quelqu'un sait comment on affiche les sous-systèmes d'axe, j'étais sûr que c'était là. C'est dans les paramètres d'affichage avant. Bon. Ça, c'est dans les préférences de SketchUp. C'est peut-être dans les préférences du modèle, mais les configurations du modèle, c'est où? Alors, ça doit être dans Fenêtres, Infos sur le modèle, et c'est ici qu'on va pouvoir afficher. Composants, voilà, bingo, afficher les sous-axes des composants. Et là, vous voyez, comme ça, j'ai les sous-axes des composants, ce qui me permet que quand je fais la rotation, donc c'était dans Fenêtre Info sur le modèle, je reviens sur ce que j'ai dit, et là, vous voyez, on voit les sous-axes qui permettent de savoir si on est dans le bon sens ou pas. Donc là, par exemple, j'ai l'axe vert qui va à l'intérieur et ici, il va à l'extérieur, donc celui-là, ces deux-là sont pas bons. Donc je vais faire clic droit, retourner le long de l'axe vert. Et désormais, quand je dézoome, j'ai bien un axe vert qui est bien positionné, qui va dans le bon sens. N'est-ce pas? Pas du tout. Il n'en a rien à foutre. Et ouais, c'est comme ça. Il se fout de moi. Donc là, je vais faire clic droit, retourner le long de l'axe vert. S'il vous plaît, merci. Très bien. Clic droit, retourner le long de l'axe vert. Bingo. OK. Ici, là, j'ai un axe vert qui va là et un axe vert qui va là. Donc celui-là, je vais faire clic droit, retourner le long de l'axe vert. Clic droit, retourner le long de l'axe vert. Donc voilà ce qu'il y a d'un peu particulier. C'est qu'il faut faire gaffe aux axes. Voilà. Un autre point, c'est que si on utilise les désignations dans SketchUp pour faire de la menuiserie et qu'on fait des symétries, le problème c'est que effectivement dans SketchUp, ces pièces seront bien les mêmes mais symétrisées. Mais si vous allez les découper, eh ben, si vous faites deux côtés droits, ça n'ira pas. Donc là, comme les pièces sont parfaitement symétriques, vous n'aurez pas de problème. Mais si plus tard vous avez l'occasion de le faire, ça sera bon. Alors je vais lire un peu les commentaires. Bonjour Axel. Bonjour Denis. BLBBois TV avait créé un plugin générant la feuille de coupe à l'échelle de gratuit téléchargeable. Maintenant, est-ce que le gratuit en ligne permet toujours de faire ça? Alors BLBBois, c'est l'ancien nom de VMSUP. Est-ce que la version en ligne permet de faire ça? Est-ce que la version gratuite permet de faire ça? Et écoutez, je suis super au courant et c'est une question que je dirai à 2 minutes de la fin. Non, en fait, je ne sais pas, on va regarder tout à l'heure. Tu ne tournes pas l'axe bleu sur ta traverse pour la texture bois. Ah, alors ça, c'est une question très intéressante sur les textures. C'est vrai qu'ici, quand j'ai mis mes textures ici et que je vais prendre par exemple dans la bibliothèque de textures bois, alors toutes mes textures bois sont absolument ignobles. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt aller choper une texture bois sur Internet. Je propose bois texture seamless. Moi, je rajoute un petit mot seamless. Hop, comme ça, c'est bon. Et allez, prenons ce joli matériau là. Il a l'air très très joli. Et j'espère qu'il est seamless. J'ai quand même un peu d'énormes doutes. C'est pas grave. On n'est pas là pour s'embêter. Allez, bingo. Donc là, je vais ici et là, je vais faire fichier importer. Et je vais choisir sur mon bureau ce fichier-là. Et là, dans Options, je le choisis comme une texture. Merci beaucoup. Je clique sur Ouvrir. Là, je vais faire un clic. Je vais donner un facteur d'échelle. On va dire que ça, c'est pas mal. Ah, il n'est pas du tout seamless. Vous avez vu les vagues là? C'était dégueulasse comme idée. Mais bon, c'est pas grave. Donc la question qui était posée, c'était par rapport à. On n'a qu'à dire que c'est du bois. Et vous voyez, si je reprends la même texture ici, en fait, il me le met dans le mauvais sens quelque part. Parce que normalement, le fil du bois, quand on fait bien les choses, il doit être dans la direction la plus grande, sauf cas exceptionnel. Donc, je vais faire clic droit. Ah oui, comment je fais? Du coup, je fais clic droit, texture, position, clic droit, faire pivoter 90. Et là, je fais valider, terminer, je suis content. Ensuite, je prends ma petite pipette, donc B, et je maintiens commande enfoncée sur Mac ou Alt sur PC. Je relâche la commande et je refais un clic. Alors, je ne refais pas un clic, je refais un clic avec un Shift, ce qui me permet d'appliquer la texture absolument de partout. Et là, je vais faire la même chose. Zou. Alors, bonjour Doc. Merci. Et très très bien ce petit live. Merci Call Jeff. Sinon, qu'est-ce qu'il disait? C'est dans le modèle. C'est ça la grande solitude. C'est la grande solitude. Pour la fiche de débit, le plugin Open Cut List est juste fabuleux. C'est vrai qu'il est pas mal. Il y a aussi le calepinage dans le plugin avec le renseignement des champs. Mais on va le voir tout à l'heure. Donc,
Ne grillez pas toutes mes surprises. Celle-là, elle a l'air seamless. Ils disent qu'elle est seamless. On va cliquer dessus, on va la télécharger. Donc, ce que j'aime, c'est qu'on est sur Google, on arrive sur. On est sur Google, on tombe sur. On tombe sur Pinterest qui nous renvoie sur Google. Bref, j'ai l'impression que. Et Pinterest, et là on va recliquer là, on va retomber sur Pinterest qui va nous renvoyer sur Google, qui va nous retomber sur Pinterest, qui va nous renvoyer sur Google. Peut-être qu'on ne s'en sortira jamais. Donc imaginons ici que j'ai mis une mauvaise texture bois. Ah ah! Là j'ai deux textures. Donc je vais aller dans Fenêtre, Info sur le modèle, Statistiques purgées, ce qui va me permettre d'enlever les textures que je n'utilise pas. Et là je vais double-cliquer. Avant, je vais enregistrer un petit coup. Donc, je vais aller sur mon bureau et sur mon bureau, j'enregistre Live 6, on va l'appeler Live 6, bingo. Et ici, là, en fait, je vais pouvoir double-cliquer. Ah, je vais pouvoir double-cliquer ici. Que dalle, rien. Ici, alors, il me semblait qu'on pouvait charger une texture par ici. Alors, sur PC, c'est hyper simple. Voilà, il faut faire clic droit, ce menu déroulant et charger ici. Et là, on va pouvoir charger une nouvelle texture. Je vais essayer de choper celle-là, voir si elle est mieux. Et je fais fermer. Et effectivement, celle-là a l'air seamless, beaucoup plus que l'autre. Du coup, les plus jolies, je suis content, j'ai gagné. Je refais l'opération parce que sur Mac, c'est vraiment pas clair. Donc, on double-clique ici, il faut aller dans Texture et cliquer sur Charger. Sur PC, vous allez voir, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus intuitif. Ok, bingo. Là, j'ai fait mes éléments. Ici, ce que je voudrais faire là, c'est faire un petit coup de plateau. Je vais me faire un plateau de 25 mm. Voilà, barre d'espace, triple clic, j'appuie sur G, j'appuie sur Entrée, j'ai fait mon élément. Je prends mon pot de peinture, je l'applique, hyper, je suis content. Alors ici, bien sûr, les experts vont me dire, il va manquer le bois de boue. Il va manquer le bois de boue. Bon, c'est vrai, tant pis, on ne peut pas mettre le bois de boue ici. Par contre, ici, on peut le mettre dans la bonne direction. Ça ne m'empêche pas de le mettre dans la bonne direction, position. Du coup, là, je vais faire pivoter à 90 degrés. Donc, c'est pareil, il y a toujours des plugins qui permettent pour les textures de les faire pivoter et d'aller plus vite. Moi, je suis pour les plugins vraiment métiers, ceux qui font gagner du temps sur les opérations spécifiques. Alors là, un petit raccourci que j'ai, c'est W, sur lequel j'ai mis sur raccourci sur masquer le reste du modèle. C'est hyper utile parce qu'en fait, ici, vous voyez, je veux rentrer dedans, ben, j'ai plus qu'à appuyer sur W et c'est vraiment le plugin le plus utile de la Terre. Voilà, bingo. Donc ici, j'ai des pieds qui rentrent en collision complète avec mon plateau. Donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais aller dans Affichage palette d'outils. Je vais prendre mon outil solide. Voilà, il est là. Outil solide, il est arrivé juste au milieu de l'écran, c'est pour ça que je ne voyais pas. Et je vais lui dire ici. Il faudrait que tu enlèves ça à ça, mais tout en gardant le truc d'origine. Donc là, je lui redis, je vais lui dire, il faudrait que tu enlèves ça à ça, nickel. Il faudrait que tu enlèves ça à ça, nickel. Il faudrait que tu enlèves ça à ça. Du coup, ici, là, j'ai mon plateau. Hop, j'ai dû me rater sur le dernier, pardon. Il faudrait que tu enlèves ça à ça. Ouh, grand moment de solitude. Et voilà, bingo, j'ai mon truc. Hyper cool, donc voilà. Ici, évidemment, ce qui serait cool, c'est de faire un petit décalage. Allez, on va dire de 1 mm pour laisser la place pour faire un peu de jeu. Bingo. Ici, donc je double-clique, barre d'espace, double-clique, et ensuite avec CTRL et SHIFT enfoncé, hop, je soustrais ces parties-là, j'appuie sur F pour faire un décalé. Et ici, j'ai mis 1 mm ou 2, je ne sais plus. Allez, j'ai mis 1. Celui-là, un clic, et boum, je suis en bas. Et comme ça, je répète l'opération. Double-clic. Ah, en fait, j'aurais pu. Ouais. Je barre d'espace, double-clic, je désélectionne tout le reste. F, un petit décalé. Alors là, c'est pareil, je pourrais double-cliquer. Normalement, ça répète l'opération. Et du coup, ça m'évite d'avoir 1 mm, un coup 1 mm et l'autre coup 2 mm parce que j'ai une mémoire de poinçon rouge. Barre d'espace, double-clic. Et là, j'enlève tout ça. Allez, hop. J'appuie sur F et j'appuie sur. Voilà. Et là, je fais 1 mm. Mais bien sûr, aussitôt que je l'ai dit, je l'ai directement oublié. C'est la vie. C'est comme ça. Il faut vivre avec sa stupidité.
Tout, 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 tout. Alors, est-ce que ça ne multiplie pas la texture par deux en faisant de la sorte? Est-ce qu'en faisant de la sorte, ça ne multiplie pas la texture par deux? Alors, je pense que j'ai dû lire. Salut Jérôme. Ah, oh, coucou cousin. Je pense que tu dois parler en fait d'avoir changé l'orientation ici des textures. Non, en fait, ça ne change pas les textures par deux. Ce qui va changer les textures, c'est les trucs du style rendre unique. Ok, allez, on est bientôt à la demi-heure, donc je vais me dépêcher. Ici, j'appuie sur W parce que c'est super pratique. Pour faire un tenon au tiers, je prends l'outil, je sélectionne l'arête verticale, barre d'espace, un clic. Ensuite, je fais Move, Contrôle, Move, Alt. Et je copie l'arête l'une sur l'autre et je fais diviser par 3. Et en tapant diviser par 3, ça va me répartir donc des arêtes au tiers, ce qui est pas mal puisque ça va me permettre de faire des tenons au tiers, et c'est exactement ce que je veux faire. Ici en menuiserie, ce qu'on a, les vrais boss, ils font ce qu'on appelle un petit épaulement. Allez, bing. Là, je fais un épaulement. Très bien, je l'ai fait tout à l'œil. La vérité, c'est que je ne me rappelle plus du tout de combien il faut faire les épaulements. Je me rappelle juste que ça a à peu près cette taille. Je crois qu'il y a des règles. S'il y a des vrais menuisiers, ce serait cool de le dire. Bonjour Vincent Brun. Donc ici, j'ai fait mon petit élément. Je vais faire exactement la même chose de ce côté-là. Et j'arrête de raconter ma vie parce que sinon, je n'aurai jamais le temps de vous montrer l'autre plugin. Et ça m'embête parce que c'est vraiment un plugin qui est super sympa. Allez, zou, je vais aller jusque-là par exemple. Et puis là, est-ce que je fais un épaulement? Ouais, je vais faire un épaulement de ce côté-là. Là, je fais un clic. Pardon. Je vais faire un clic et je vais aller chercher juste de l'autre côté. Pif, paf, pouf. Assez bim, bam, boum. Yes, I. Alors. Salut Lionel. Hop. Bon, normalement, il faudrait faire les tenons en haut, mais c'est trop long et je vais dépasser. Et c'est là où on va voir la force de l'extension VMS Up. Donc ici, par exemple, je lui dis que je voudrais retirer ça. Pardon. Je voudrais retirer ça. Et là, il me dit que... Ah! Il n'est pas solide. Damn! J'ai fait un truc qui n'est pas solide. Donc, il n'est pas solide à cause de ces petites arêtes-là. Donc, il y a plein de raisons pour lesquelles ça peut ne pas être solide et du coup qui nous font perdre du temps et du coup qui font que l'extension VMS Up est vraiment super. Au cas où vous ne l'auriez pas compris. Donc là, à un moment... Alors, peut-être qu'il y a une face à l'intérieur. Hop, voilà, c'était cette face-là. Là, je suis complètement rentré à l'intérieur du bois et je vois que j'ai aussi ici une face qui ne me plaît pas. Donc, je vais faire comme ça. Parfait. Du coup... Là maintenant, mon composant est bien solide. Donc vous avez compris, c'est la face à l'intérieur qui faisait que mon composant n'était pas solide. Et là, je vais faire soustraire cette pièce à celle-là. Et je vais faire soustraire cette pièce à celle-là. Et du coup, maintenant, tout content que je suis, j'ai fait mon tenon. Youhou! Donc ici, on voit que les deux éléments se rencontrent. Et là, du coup, je vais pouvoir, par exemple, tracer une ligne à 45 degrés pour enlever cet élément, éviter que les éléments se touchent. Et là, ça me laisse un peu de place pour la colle, pour quand je ferai mon élément. Voilà un peu la méthode, j'ai envie de dire, de à la main pour faire des menuiseries. C'est bien et pas bien. C'est bien et pas bien, c'est-à-dire que c'est pratique parce qu'on peut tout faire. Donc, c'est quand même une méthode qu'il faut connaître. Mais après, maintenant, on va voir l'autre avec VMS Up. Welcome VMS Up. Bing. Alors, est-ce que les rapports sont gratuits? Le problème, c'est que j'ai la version payante. Alors, ça va m'être chaud de commenter la version gratuite. Bonjour Bruno, tu es charpentier et tu m'indiques que c'est 15 mm. Il y a toujours la règle des 1 tiers ou des 1 quart ou quelque chose. Normalement, on n'a fait pas les épaulements là. On est censé juste mortaiser. Oui, c'est vrai, les épaulements, c'est aussi quand il y a des rainures. Et bonjour Tiffany. Et comment ça se fait que Tiffany, tu t'y connais en assemblage, toi? T'étais pas décoratrice, toi, au départ? C'est moi qui ai le diplôme de menuisier. Alors, Tiffany, s'il te plaît, ne dis rien. Zou. Allez, c'est parti. On va utiliser donc cette extension. Cette extension, il y a plein, plein de barres d'outils. Je vous recommande grandement de vous abonner à la chaîne VMS Up. Donc, VMS Up, vous cliquez sur le bouton là.
Et c'est sur la chaîne YouTube, oups, il va me mettre la musique, VMS Up. Et vous avez toutes les explications de toutes les barres d'outils en détail, de tout ce qui est fait. Donc ici, on va juste se contenter d'une petite introduction. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour avoir tous les détails. Et on verra par exemple si le rapport est dans la chaîne gratuite. Donc ici, on a un premier bouton qui sert à créer les composants. Donc ça, c'est pas mal parce que si moi, je suis hyper habitué à faire des rectangles et puis à les pousser, à les tirer dans tous les sens, ce n'est pas forcément le cas de tout le monde. Du coup, ça, c'est pas mal parce que ça permet de bien visualiser sur les dimensions rouge, verte et bleue dans quel sens on va. Donc ici, mes petits, j'avais fait donc 45 sur le rouge. En hauteur, combien j'avais donné? Je ne sais déjà plus. Quelle mémoire de poisson rouge. Un clic, un clic, un clic, un clic, un clic, un clic. Aïe, aïe, aïe. C'est toujours la même blague que je fais. Des années. 15 ans sur la même blague. Il veut mourir. Donc là, je fais une cotation rapide de tous ces éléments et vous verrez que dans VMS Up, il y a un moyen pour tout coter rapido. Ok. Et là, j'ai mis 45 par 45 et c'était 500. On va mettre de haut parce que c'est bizarre, 505. Donc je reviens là. Ici, je vais faire une pièce. Je lui donne direct un nom qui s'appelle un pied. Sa dimension sur l'axe rouge va être de 45. Ensuite, ça va être de 500 en hauteur et ensuite de 45 dans cette direction-là. Ici, j'en fais qu'un. Je peux choisir de voir tous les matériaux, ceux qui sont pour le massif, ceux qui sont pour les panneaux. Moi aujourd'hui, pour l'instant, je vais rester là-dessus. Donc, je l'ai fait en érable. Je clique sur générer pièce et bingo, le mec super sympa m'a fait une pièce. Youpi, lala. Ensuite, je vais générer une autre pièce qui va être, par exemple, ma traverse basse. Traverse basse, qui pour le coup, celle-là va faire 300 et moins 45, ça fait 240 et quelques. On va dire 240. Allez, sur l'axe rouge, on va dire 240. Et on va la faire d'une section de sur l'axe bleu de 60. Et en épaisseur du 20, c'est bien ça le 20? Ça existe le 20? Le 24? Putain, je me rappelle de plus rien, c'est une vraie honte. Allez, bing, je l'ai fait. Et là, je vais faire ma traverse haute, qui va être la même, mais en tout petit peu plus petit, qu'on va faire juste du 30 de hauteur sur l'axe bleu. Bing, générer la pièce. Ok, j'ai quatre pièces, je suis le roi du monde pour générer toute mon affaire. Ok, vous noterez aussi l'histoire des textures, mais on a vu sur le modèle comment on s'en sortait, du coup, il n'y a pas trop de remarques à faire. Ici, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre. Alors, il y a un truc de vraiment bien, c'est que dans SketchUp 2020, vous voyez, il y a plein de petites bulles là, qui permettent d'accrocher les points. Du coup, c'est coolos. C'est coolos parce qu'avant ils n'y étaient pas, notamment pour quand on fait de la décoration par exemple, ça va permettre d'accrocher quand on a un canapé, bah, de l'accrocher bien avec la boîte englobante et pas forcément avec une pièce qui sera en contact avec le début. Donc là, je vais me régler à la verticale, je vais le mettre à la même hauteur que celui-là. Et ici, celui-là, je vais le prendre et je vais le mettre juste en haut. Bingo. Ensuite, cet élément-là, ici, je vais le prendre. Là et je vais le copier ici et là c'est parfait. Donc là commence un peu les particularités de l'outil VMS Up, mais je vois que ça se poile bien dans les commentaires. Alors tenon mortaise, ok queue d'aronde, mais en fait ouais je crois qu'il y a un truc pour Steph, ça fait les queues d'aronde là-dedans. Hein. Dans VMS Up, je crois qu'on fait les queues d'aronde. Moi, j'ai la technique des trois vues, comme ça j'ai tous les plans. Après, j'extrude les trous. Moi, je fais dans l'autre sens. Ah, et Tiffany dit j'ai mon diplôme d'agencement et après j'ai perdu mon doigt dans une agrafeuse. Le nom de l'extension, c'est VMS Up, c'est pas VSM Up, c'est VMS Up. Je la remontre, c'est VMS Up. Voilà. Alain Lunch, préparation avant ton live, mort de rire. Bah oui, non mais là maintenant j'ai compris qu'il fallait se préparer suite à la démo catastrophique des composants dynamiques. J'ai plus trop le choix. Donc ici on a un petit truc qui s'appelle. Alors j'ai un problème de clic droit sur ma souris.
il y a un petit truc qui s'appelle colorier les pièces. Et quand on clique dessus, en fait, ça permet de colorer les pièces. Comme ça, on voit bien si l'orientation, plutôt que de s'appuyer sur les axes comme moi je le faisais, ben ici, là, avec les gros pâtés de couleurs, on voit mieux. Et du coup, par exemple, je vais pouvoir prendre cette pièce ici et faire clic droit, symétrie et rotation. Et là, je clique sur le côté rouge et vous voyez qu'en fait, il m'a bien mis le côté rouge à l'intérieur du côté rouge. Et ça, c'est super, bah, je trouve que c'est assez pratique. Ici, autre chose, autre nouveauté que je trouve pas mal sur. Autre nouveauté que je trouve pas mal, non, alors on le reverra plus tard. Il y avait un truc qui était pas mal, mais c'est pas approprié ici. Sur la version 2020, donc ici, je me mets comme ça. Donc là, j'ai bien mon rouge. Qui est comme ça, je ne suis pas très content, mais ce n'est pas grave, on va s'en sortir. Alors là, pour faire une rotation, il faudra que je prenne ça, je prenne celui-là et ces deux-là, que j'appuie sur Q, la lettre Q pour garder, et là que je trouve le point central, comme ça, un clic ici, un clic là, j'appuie sur CTRL, je fais comme ça, je prends mes deux éléments là, j'appuie sur Alt et je viens copier tout ça. Alors ici, on voit que j'ai énormément de problèmes de symétrie. Donc ce que je vais prendre, c'est que je vais faire ici et je vais faire clic droit, symétrie et rotation. Donc là, je voudrais symétriser par rapport à l'axe rouge. Non, je ne sais plus, putain. C'est une catastrophe. Comment c'est ce bazar? Et ensuite, je vais resymétriser là. Donc là, j'ai bien mes deux rouges qui sont là. Je vais prendre tout ça et j'ai envie de faire un demi-tour complet là-dessus. Est-ce une bonne idée? Je ne sais pas. L'avenir nous le dira. C'est toujours un peu la galère ces trucs. Bon, c'est que voilà, bon. Donc là, je crois que j'ai eu quand même le génie de revenir au point de départ. Oh putain, mais quelle buse. Mais virez-moi, mais c'est pas possible. J'ai envie de tout casser là. Donc là, il faut que mon vert il soit sur l'extérieur. Donc je mets mon vert vers l'extérieur. On y est et mon rouge est vers l'intérieur. Ok, donc là je suis bon. Ici, mon rouge est ici. Hop, je clique. Alors, vous voyez que je fais des rotations avec l'outil déplacer, ce que je conseille à toute ma famille. Parce qu'en fait, il n'y a que les gens de ma famille qui regardent. Hop. Et si vous n'êtes pas de ma famille, c'est que veut dire que vous êtes un peu de ma famille. Donc là, j'ai fait n'importe quoi. Oh, le drame total. L'idée, c'est d'avoir que des pièces symétriques. Et là, comme vous pouvez constater, j'ai tout retourné, j'ai tout inversé. Il n'y a rien qui va bien. C'est pas grave. Allez, zou. Je vais faire ça comme il faut. Donc le rouge en face du rouge, le vert en face du vert. Je crois que je suis bon là. Ouh là 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 là, j'enregistre mon chef-d'œuvre. Bon, eh ben, il nous reste plus que les traverses. Colorier les pièces. Je voudrais colorier avec celui-là. Donc là, je vois que j'ai deux rouges et là, j'ai pas de rouge. Donc là, je vais faire clic droit, symétrie, rotation et je clique sur le rouge. Non! Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait symétrie, rotation, j'ai cliqué sur l'arête, faut cliquer sur la face, pardon. Du coup, ça, c'est bon. Et puis là, ça me saoule tellement que je vais faire une petite rotation comme ça, des familles. Et là, on est trop content parce qu'on n'a que du rouge à l'intérieur. Allez, c'est pareil ici, on va faire colorier. Les pièces, je clique ici. Donc là, j'ai un rouge. Donc là, c'est très très bariolé une fois de plus. Donc je vais mettre le rouge à l'intérieur. Donc je fais clic droit, symétrie, rotation. Cette fois-ci, j'y crois. Donc là, c'est bon. Ici, je vais pas me gaver parce que ça me saoule. Je vais faire comme ça, bing. Et là, on est bon. Je sens le drame venir. Je sens le drame venir. Tu prends comment ton accrochage pour la rotation? Ah bah, l'accrochage, la rotation. Donc dans SketchUp, il faut savoir plusieurs choses. Donc déjà, c'est déplacer, je sélectionne. Et avec déplacer ici, donc on peut se déplacer. Donc c'est l'outil le plus difficile. Mais un des trucs qu'il y a de bien, c'est qu'il est super puissant. Par exemple, j'ai ici les petites croix rouges. Et sinon, pour l'accrochage, je présélectionne des éléments. Et par exemple, j'appuie sur la lettre Q. Je maintiens Shift. Si je maintiens Shift enfoncé, ça permet de verrouiller le plan de rotation sur lequel je suis. Et du coup, voilà. Et sinon, je peux le verrouiller définitivement en appuyant sur la flèche du bas. Et comme ça, je serai toujours comme ça. Toujours par rapport à la face que j'étais en train de survoler quand j'ai cliqué. Et sinon, après, je fais avec les inférences. Donc les inférences, c'est le truc génial de SketchUp. Si je survole le point milieu ici au milieu et que je survole ce point-là, j'arrive ici.
Donc au début, les inférences, c'est une grosse galère, ça nous énerve, mais en fait, c'est le truc le plus génial de SketchUp, mais il y a quand même un petit coup de main à prendre. Alors, LOL, c'est pas sympa que l'on est confiné, il ne faut pas aérer la maison, ça perturbe les neurones. Ok, go, allez, c'est parti. Donc là, on va voir les outils super cool de VMS Up. On va commencer par le tenon mortaise. Let's go, c'est parti. Tenon mortaise. J'enregistre mon chef-d'œuvre. Donc, tenon mortaise, c'est celui-là, si je ne m'abuse. Là, c'est rafale de tenon. Donc, ici, j'ai tout plein d'options. Donc, j'ai l'épaisseur de mon tenon. Savoir si je veux un tenon droit ou rond. Son épaisseur. Je peux dire parallèle. Je peux mettre la règle des 1 tiers. Dans quel cas, en fait, l'épaisseur n'aura plus aucun intérêt. La longueur. Donc là, comme j'ai mis des trucs de 45, je vais mettre que 20. Et là, je peux mettre deux épaulements. Là, je vais cliquer sur OK. Ici, je vais m'approcher de la face, mais m'approcher de l'arête en même temps. Et là, je fais un clic. On va passer en face radiographique pour voir un peu ce qu'il a fait. Oh, c'est génial, il m'a fait les quatre d'un coup. Bingo! Alors c'est qui? C'est quoi? C'est quoi le problème? Et là, je refais un clic. Bingo! C'est génial! Il a tout fait d'un coup. Non, vous avez vu? Je répète, le monsieur dit, il a tout fait d'un coup. Donc plutôt que se faire chier tout à l'heure comme je l'ai fait, à faire mes petits trucs, mes composants solides, non, il n'est pas solide, gna 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 gna, et bien là, bing, j'appuie et hop, ça sort directement. Donc ça, c'est pas mal. Je suis très heureux. Quand mes couleurs ici, elles commencent à me déranger parce que je trouve que, bah, voilà, j'aimais bien mes couleurs d'origine, j'ai un truc qui s'appelle effacer les couleurs qui me permet de revenir aux couleurs de base. Donc voilà, content. Allez, où ici, ce qu'on va faire, c'est que je peux rentrer à l'intérieur. Ici, je vais, par exemple, grandir de 20 mm. Bingo. Par exemple, je vais annuler ce que j'ai fait. Et ici, je vais faire le plateau. Je voulais juste montrer la petite option en coche que je trouvais assez cool. En fait, il y a plein. Après, il y a un autre truc, j'aimerais bien faire de l'agencement. Peut-être que ça t'intéressera d'ailleurs, Tiffany. Ouais, c'est top, c'est tenon mortaise, c'est vraiment de la balle. Donc, bingo, hop, ici, j'ai fait un plateau. Je ne l'ai pas nommé plateau parce qu'on commence, comme d'habitude, à plus avoir le temps. Ici, je vais dépasser là. Et là, ce que je vais faire. Je vais faire entaille, sélectionner la pièce à entailler, un clic, sélectionner la pièce qui entaille, un clic, un clic, un clic, un clic, je clique à l'extérieur et il me dit ceci n'est pas un composant, mais je m'en fous. Et vous avez vu, bingo, j'ai entaillé direct mon affaire. Et ben voilà, et ben voilà, c'est pas beau ça? Allez, zou. On va voir un tout petit peu d'agencement maintenant. Donc celui-là, on le met de côté, il est magnifique, je sais, merci. Alors, toujours, on va faire les pièces avec notre outil. Alors moi, je n'aime pas trop cet outil, je préfère les faire à la main. Mais pour le coup, pour les gens qui sont pas trop des SketchUpiens de base, c'est pas mal. Donc là, je vais faire un caisson tout simple. Il y a un outil caisson là, qui existe déjà, mais c'est trop simple. Et l'outil caisson, en fait, il permet de tout faire directement. Vous voyez, on choisit tout et ça sort tout seul. C'est beaucoup trop simple pour ce tuto. On va rester sur. Je fais un petit coup de pub pour VMS Up. On va rester sur l'outil ici et je vais l'appeler côté. Alors, pour le côté ici, on va donner une épaisseur de 19 mm. Bingo. Sur l'axe bleu ici, je vais donner une hauteur de 700, pourquoi pas. Et sur la profondeur, je vais donner aussi une profondeur de 700. Là, je vais choisir une couleur de panneau. J'ai cette couleur de panneau qui m'a l'air pas mal. Ou le mélaminé blanc qui est pas mal. Et là, je clique sur générer pièce. Bingo, j'ai fait ma première pièce. Ensuite, je vais l'appeler tablette. Tablette. Donc là, sur l'axe rouge, ça va toujours être. On va le faire plus petite. Sur l'axe rouge, on va la faire 350. Parfait. Sur l'axe bleu, c'est l'épaisseur. Je vais à nouveau mettre du 19. Et sur l'axe vert, j'avais mis 700. Donc, je vais rester sur 700. Allez, go. Générer la pièce. Bingo. Allez, j'ai fait mes deux pièces. Ici, je vais faire un clic. Un clic ici. Pardon. Je vais venir assembler mon affaire. Parfait là. Attention, c'est après qu'intervient la magie du bazar.
Donc, comme d'hab, je vais me prendre les pieds dans la symétrie. Je vais faire clic droit, retourner le long de l'axe rouge, parce que moi, c'est comme ça que je sais faire, désolé. Clic droit, retourner le long de l'axe bleu. Voilà. Donc là, j'ai fait mon premier caisson, je suis hyper fier. Et ce que je voudrais maintenant, c'est l'assembler. Et je voudrais l'assembler avec des minifix. Youpi, dit Tiffany. Mais bon, je t'avoue, maintenant, on fait de moins en moins de tenons mortaises. On utilise les dominos, faceful, plus rapide. Mais c'est une manière de produire face tool. Des dominos face tool. Merde, c'est quoi? Je connais pas. Moi, ouais, mes cours, ils datent d'il y a 20 ans et c'était le top du top. C'était le top du top, les minifix. C'est ces trucs-là, là? Waouh, c'est vraiment la pièce du futur, ce truc-là. Ah, mais attends, c'est des trucs comme ça, là, des pièces en bois? Ouais, mais attends, ça, on en avait déjà, on appelait ça des lamellés. Mais c'était la misère. Ah, c'est la misère, tu les colles et tout. Non, non, laisse tomber, moi, j'en veux pas de ces trucs. Tu me diras si c'est vraiment ça que tu cours. Dont tu parlais. Allez, c'est parti, on va regarder la super fonction qui est assemblage. Il me semble que c'est ça. Bingo, hop, on est dessus. Donc, moi, c'était ça, des laméno. Et ça, c'est. Ce serait pas ça, tes dominos Festool, tiens, d'ailleurs. Eh ben, tu vois. Donc, comme quoi, vraiment, je fais des lives, c'est du flan, mais c'est énorme. Mais bon, après, je pense que vous êtes contents, sinon, vous ne reviendriez pas à chaque fois. Alors, là, ce qu'il faut que je choisisse, c'est un type de composant. Donc, moi, je reste sur mes minifix, parce que mes minifix, c'est le meilleur truc au monde d'abord. Merde, c'est tout. Et ensuite, là, sur les minifix, il faut que je choisisse donc une arête. Et là, j'ai fait n'importe quoi. Pourquoi j'ai fait ça? Festool, c'est pour les riches. Ouais, je suis bien d'accord avec toi. Et Lulu, bah ouais, j'ai bien de voir, le plugin Festool, il existe aussi dans la montagne. Bon, Zou, j'arrête mes bêtises là. Je clique à côté, je ferme tout mon bazar parce que là, je suis en train de faire de la misère. Allez, Zou, je prends mon outil assemblage. Là, il faut que j'indique une face qui va servir de butée à l'équerre. Voilà. Sélectionner un point sur une arête de face. Ici. Et là, il me met des lamellés. Donc, je sais exactement ce que je ne voulais pas. Donc, je vais venir ici. Je sélectionne ma face. Ah mince, il est resté sur la même. Il faut que je reprenne l'outil pour resélectionner. Donc là, je prends là. Ici, je vais prendre ce point-là. Et là, il est resté sur les lamellos parce que j'ai oublié de changer de truc. Donc, je refais une énième fois le truc. Oh, le boulet total. Alors, pour tous les vieux, il y avait un mec qui s'appelle Jérôme Bonaldi, qui faisait des démos et ça merdait toujours. Et ben moi, j'ai toujours dans mon cœur cet esprit Bonaldi. Alors, j'ai une petite anecdote assez marrante, c'est que j'ai monté une autre société où en fait, on avait fait une machine à selfie 360, où en fait, il y avait plein de caméras qui se déclenchaient en même temps et on sautait au milieu et ça fait un effet bullet time. Et donc j'avais un peu toute la famille dans la boîte. Un jour, ma femme qui était dans l'événementiel avait fait un événement et dedans elle me dit: Ouais, il y a un vieux, il m'a fait chier. Et puis en plus, il m'a dit qu'il avait fait la même chose avec Vanessa Paradis, il se prenait pour une star, il avait la grosse tête. Et là, je rentre, elle était rentrée à 2 h du mat et elle me dit: Ouais, et là en plus, il veut que je lui envoie le selfie tout de suite avant les autres, vraiment, il est gonflé. Je lui dis, bah écoute, on va le faire ça ensemble. Elle me donne l'adresse, c'était Jérôme Bonaldi, et qui avait déjà fait donc des bullet time sur de l'événementiel. On était en train de parler donc d'assemblage. Bon, bref, ça m'avait fait marrer. Donc le gars, en fait, maintenant, il fait de l'événementiel, maintenant qu'il n'est plus à la télé. Donc je choisis la face pour la butée de l'équerre. Ensuite, je choisis l'arête. Et là, j'ai à nouveau merdé. Putain, c'est pas vrai. Alors, clique d'abord sur la face. Ouais, j'ai compris. Dépend du type d'application. Le lamello, Jérôme, c'est ton surnom. Ouais, c'est vrai, Jérôme Bonaldi. Patrick Carmouze aussi. Je suis désolé, mais Patrick Carmouze, j'ai pas regardé. J'aurais bien aimé. Donc d'abord, on clique sur la face. Et ensuite, je lui dis ici. Putain, il veut pas. Hein. Non, non, en fait, à chaque fois, j'ai un souci. Tac. Donc là, je clique. Attends, je sélectionne rien.
Quitter. Ah! Je m'énerve. Je vais y arriver. J'aurais dû regarder les vidéos juste au préalable avant de vous montrer des extensions super bien. Mais une fois qu'on a compris le truc, c'est cool. Donc là, je vais sauvegarder. Indiquer la face pour poser la butée d'équerre. Donc la butée de l'équerre, pour moi, elle est là. Jérôme Bonaldi est prof de maths à l'origine. Bah là, en fait, c'était genre la méga star, quoi. Il était. La butée de l'équerre. Mais la butée de l'équerre, pour moi, elle est là. Où elle est là? Ici? Vraiment? Cette arête ne fait pas partie de la face. Bah oui, bien sûr. Donc, allez-y, on réessaye, on tente. C'est con, hein? Putain, Ah! Bon, ça, j'y arrive pas, je laisse tomber. Donc là, normalement, ça met les minifix direct et c'est trop la classe. Peut-être vais-je arriver à faire un système 32. Alors, je clique sur cette face. Et là, je lui dis. Alors, je vais annuler par contre, parce que je vais revenir encore. Ici, pour faire des systèmes 32, donc je clique, prends l'outil système 32 et je dois sélectionner une face et sélectionner une arête en même temps. Vous voyez, là, je suis proche de cette arête. Donc, c'est cette arête que ça va sélectionner. Je clique ici. Et là, il va me demander plein de choix. Donc là, c'est la distance du début en hauteur, la distance de la fin. Là, je lui dis OK, et bing, il m'a fait les perçages. Putain, il m'a fait que de la merde. Aujourd'hui, je suis un putain de boulet. Bingo, et là, il y est arrivé. Si je fais ici, bingo, il me le fait de l'autre côté. Ensuite, ce que je peux faire, c'est reprendre donc mon reprendre ici mon perçage. Et ici, je vais le mettre au lieu d'être à 37 mm du bord, je vais rajouter au milieu. OK, et bing, ça m'a fait au milieu. Et magie, magie, ça m'a aussi fait l'autre côté. Et ça, c'est trop classe. Ça, c'est vraiment trop la classe parce que du coup, bah, j'ai mon système 32 qui est nickel. Au lieu de me faire chier à faire tous mes petits perçages et double-cliquer pour pousser, tirer, et ben voilà, j'ai gagné un max de temps. Encore au Lyonnais. C'est vrai que c'est un Lyonnais. Bonaldi, bah, écoutez, c'est cool. Un live sur la charpente. Ouais, mais les gars, là, il va falloir m'aider. Hein. Faut me présenter un mec. Bon, ah, mais si, j'ai quelqu'un qui peut nous aider grave sur la charpente et l'ossature bois. C'est une super bonne idée. Prochain, on essaiera de faire un truc, un live charpente, ossature bois. Donc là-dessus, donc on a vu, on peut faire des tenons, des mortaises, on peut faire des assemblages. Bon, c'est vrai que la démo sur les assemblages, elle était pitoyable. J'ai super honte. Est-ce que dans les assemblages, j'ai vis? Est-ce que vous voyez une vis à un endroit? Ouais, là, on voit une vis. Donc, par exemple, si je veux mettre des vis, je vais dire, je veux mettre des vis sur cette face. Et ben, bing! Et si je fais x2, bing, il m'en met une de l'autre côté. Alors, ça calme? Ça calme? On s'est foutu de ma gueule sur les assemblages minifix, mais là, ça marche direct Chrome. Eh ouais, mec! Eh ouais! Et le gars, en fait, j'ai même pas regardé la profondeur. Et du coup, j'ai percé mon plateau. Non, c'était prévu pour, les gars. C'était prévu pour. Parce qu'en fait, ici, je voulais. Non, c'était pas prévu pour. C'est vrai, c'est la merde. Putain, quelle loose. Je vais augmenter un tout petit peu la hauteur. Non, bon, je prends, d'accord. Ok, je fais que de la merde tout le temps. C'est vrai. Mais au moins, on se marre bien. Donc là, j'ai mis de la 4,50. Je vais mettre de la 4,30 pour le coup. Je reviens là. Et je lui dis bing, fois 2, bing, voilà, et là, ça passe pas. Alors là, j'ai peur qu'en fait, par contre, j'ai pas mis assez. Bon, on va y arriver? Je suis trop. Et après, on me demande pourquoi j'ai arrêté la menuiserie. Dans ma famille, ils appelaient ça des deniseries. C'est-à-dire que j'arrêtais pas de faire des conneries tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Et il y a un truc de vrai, c'est que quand on fait des conneries, on apprend. Et ben moi, je peux dire que j'ai vachement appris. Hop, fois 2. Ouais, comme ça, j'ai 1 mm de prix dedans. Bon, je pense que c'est la pire conception au monde. Jamais personne ne s'asserra sur ce banc. De toute façon, je pense que ça faisait partie d'aucun projet de vie de personne de vouloir réaliser ce truc-là. Mais c'est pas grave. Donc, vous avez vu, en fait, les vis, c'est trop cool comme extension. C'est vraiment de la balle. On va regarder un autre petit truc, par exemple, c'est les moulures. Allez, bing. Garçon, j'aimerais bien faire un quart de rond de 8 mm. Là, là, là et là. Vas-y, ma poule, entrée. Il n'y a pas sauvegarder, quitter. Vas-y, génère le truc.
Bing. Eh ben non, tu vois, ça fait rien. Parce que j'ai pas lu la doc. Une fois de plus, j'ai pas lu la doc. Mais il est où là, mon Cardoron? Il est là. Donc je choisis mon Cardoron. Là, je lis, je veux couper là, là et là. Et là, je fais clic droit, lancer l'usinage. Ça y est, je me rappelle, c'est clic droit, lancer l'usinage. Et du coup, on peut faire clac, clac, clic droit, lancer l'usinage. Bing! Et là, ça l'a tout fait partout. C'est trop bien ce plugin. En fait, c'est ça qui est génial. C'est qu'un peu, il est un peu dur à trouver un peu les commandes au départ parce que c'est pas comme dans l'univers SketchUp. Mais après, ça fait tellement tout seul que gros kiff, quoi. Vraiment, 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 vraiment gros kiff. Gros. Un côté Garcimore. Bah, merci. C'est le côté chauve là qui donne Garcimore. Alors, cette extension, on la trouve sur le site de ADBO, adbo.com. Dans la partie extension, il y a une version gratuite, une version payante. Je crois que les rapports sont payants. J'enregistre mon chef-d'œuvre. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout péter, toute cette affaire-là. Hop, hop, hop. Ici, je vais venir un peu plus au centre. Et je vais vous montrer aussi les trucs vraiment trop kiffants qu'il y a sur cette extension. Donc, il y a un petit bouton rapport, je crois. Et là, en fait, il me génère un fichier CSV. Donc, un fichier CSV, pardon, s'ouvre avec Excel. Donc là, les gars, j'ai mis Excel exprès pour vous parce que je ne m'en sers jamais. Et donc, comme vous pouvez voir, là, ici, j'ai toute la nomenclature avec les pieds, les dimensions, les cotes, les bruts, etc., de tout ce qu'on peut faire. Donc ça, c'est trop cool. Donc j'ai le CSV pour faire mon tabouret. Et l'autre truc pas mal, c'est qu'on va pouvoir avoir un système de cotation un peu rapide. Il faut juste que je le retrouve. Tout, 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 tout. Je crois que c'est celui-là. Ou pas. Lui, il doit ouvrir une autre boîte, une autre fenêtre. Alors attendez. Ceci n'est pas une arête. Non, c'est pas celui-là, visiblement. J'arrive pas à voir là. Tout, 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 tout. C'est ça, voilà. Ça, ensuite, je clique sur ce bouton-là. Et là, regardez, gros kiff, énorme kiff de l'espace. J'ai ma vue de base. Je veux voir mes pieds. Donc, j'ai une vue isométrique avec mes pieds. Je vais... Je vous entends d'ici les rageux. Vous allez dire, ouais, mais Mania, il n'y a pas les cotes. Mais qu'est-ce que tu crois? Il a tout prévu. Il a mis un truc. Bing, tu mets un bouton. Bing, ça te met les cotes. Eh ben, quoi, quoi? Quoi, quoi donc? Tu vas aller et là, tu vas dire, aïe, 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 il n'y a pas les cotes. Clac, bing, il y a les cotes. Alors? Ça marche ou ça marche pas? Ça, c'est jouissif dans ce plugin, c'est de la balle, j'adore. Et donc, pour le faire à la main, sinon, je n'ai pas montré, mais c'est avec Layout, c'est un peu plus long. Un peu plus long. Donc voilà, et ça marche aussi pour les trucs, pour l'agencement. Il y a des trucs pour coter les surfaces, il y a des trucs pour faire les rainures, les épaulements, etc., etc. Donc voilà, ce live se termine, est en train de se finir. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne VMSUP, où en fait il y a des tutos qui sont absolument dédiés à ça, où en fait toutes les fonctions sont hyper détaillées. Moi j'avoue que je ne les ai pas encore regardées. Le génialissime codeur qui l'a fait me l'a expliqué rapidement tout à l'heure. Et c'est pour ça que j'ai eu un peu des problèmes. Donc bisous, bisous. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc prochain, on fait un truc. Alors prochaine session, on va faire ça mardi prochain. Je vais essayer de ramener un expert de la construction bois et on fera un peu de charpente, si ça vous dit. Voilà. Alors oui, je ressemble à Tramouze là, et c'est le côté foirage en live. Ouais, mais en fait tous les gens qui font du live. Allez, autre petite anecdote, trop marrant. Un jour, Trimble, donc SketchUp, avait sorti son casque Oculus. C'est pas Oculus, c'est... Ah merde, j'arrive plus à m'en rappeler. C'est un casque de VR, de réalité augmentée. Donc on le met et on voit à travers en temps réel. Qui est un peu pourri. En fait, il marche super bien, mais sauf que le champ de vision est grand comme ça, donc on n'arrive jamais à voir son projet en vrai. Donc, si par exemple vous mettez votre maison, à moins d'être à 800 mètres de votre maison, vous la verrez pas, quoi. C'est un peu le truc, désolé. Et bon, bref, il m'envoie la version bêta qui venait d'être finie avec le casque de Microsoft, et il m'envoie en présentation. Alors, je sais plus si c'était Vinci, Bouygues ou Eiffage. C'est un des trois gros, quoi.
Et je me retrouve donc à aller sur scène. Donc la veille déjà, petite mise en pli, gastro, j'ai bouffé dans un resto, j'ai vomi toute la nuit, j'ai pas dormi. Donc j'arrive blanc avec mon HoloLens. Voilà, c'est un HoloLens. Avec mon appli. Je teste l'appli juste avant de monter sur scène, tout va bien. Et je me dis, tiens, c'est génial, vraiment, les gens vont kiffer. En plus, on a testé avec le vidéoprojecteur, ça marche bien. J'arrive sur scène, bonjour, c'est Denis de ADBO. Je vais vous montrer la réalité augmentée avec le casque HoloLens. On peut voir le modèle SketchUp comme ça, direct dedans. C'est génial. Allez, je vais vous montrer. Et bien sûr, à ce moment-là, le lien avec le vidéoprojecteur ne marche pas. Pas du tout. Et moi, je dis, mais croyez-moi, là, en ce moment-là même, je vois, là, je suis en train de me balader dans un modèle à échelle 1. Waouh, c'est génial. Donc, j'invite quelqu'un du public à monter sur scène. Donc, je choisis quelqu'un dans le public pour venir sur scène. Et je dis à la personne, tiens, mets le casque. Et comme ça, tu décriras aux gens, vu que le vidéoprojecteur ne marche pas, ça permettra de le présenter. J'étais devant à peu près 200 cadres, tous en costard-cravate, tous un peu curieux face à la techno. La personne prend l'HoloLens et fait ce mouvement-là. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il faut jamais, jamais faire comme ça avec le HoloLens parce que ses gyroscopes tombent en rade et il ne sait plus où il est. Elle fait comme ça, elle le met, et là, elle voit rien du tout. Elle était là. Mais non, 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 je vois rien du tout. Que dalle. Et j'ai passé donc les 10 minutes les pires de ma vie dans une démo foirade. Donc voilà, c'était encore un live et une démo pourrie. J'adore faire des démos pourries, je jure, je suis nul en démo et chaque fois je me retrouve en démo. Je sais pas pourquoi. Arrêtez de me faire des démos. Me faire des démos. Non, en fait, le truc, c'est que j'aime bien ça malgré tout. Parce qu'en fait, quand ça marche, comme là par exemple, l'histoire des tenons, l'histoire des perçages avec les vis, l'histoire des moulures, ça gagne tellement du temps. On voit bien que je suis un mec de base et du coup on se dit putain si lui il arrive c'est bon tout le monde sur Terre y arrivera quoi. Donc voilà. Ah quand le live l'eau polie. Ah putain mais l'eau polie putain c'est bon est-ce qu'on fera c'est que le l'eau polie on le fera de toute façon pour le confinement on a encore minimum 2 semaines et puis on le fera promis juré Alain on le fera peut-être la semaine prochaine ou celle d'après. Et ben c'est toujours à 17h05 que je commence mes vidéos. N'hésitez pas à les partager, les liker. Et voilà, à bientôt pour de nouvelles aventures sur SketchUp. Bisous, bisous.